Voici le dernier venu de la famille Control 4. Il s'appelle le CA1. C'est un produit qui est dédié en effet au monde de la domotique et du smart home, donc de la maison connectée. C'est le premier contrôleur Control 4 qui n'a pas de fonctionnalité multimédia intégrée, aucune sortie audio, aucune sortie vidéo. Il est d'ailleurs dédié à être installé au format ride-in, donc vraiment à proximité du tableau électrique, plutôt dans la partie courant fer. C'est une petite révolution parce que ce produit, il est en mesure de pouvoir gérer des périphériques équipés, de communiquer avec les univers du monde de l'éclairage, du KNX, du Lutron, du RACO, du Control 4 bien évidemment, et tout un tas d'autres protocoles, de communiquer avec l'univers de la sécurité, du chauffage, bref, tout le monde électrique, mais pas d'embarquer du monde multimédia. C'est un produit qui, au niveau prix, sera aux alentours des 400€, vraiment très agressif en termes de tarifs, et ce sera donc le point d'entrée de tous les installateurs domotiques travaillant avec Control 4 pour faire de la maison connectée. L'objectif, c'est d'avoir un produit qui, en termes de prix et de technologie, soit possible d'être utilisé à la fois dans des petits habitats, éventuellement dans des programmes immobiliers et même dans les hôtels. La technologie embarquée et le niveau de prix est en adéquation avec ces trois types de marchés. Une vraie révolution pour Control 4.